écouter mon émission tous les jours. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow! Je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on... Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois... Ce sera différent. Notre premier volontaire, le première classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Vous n'avez pas chômé. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? Il y a un problème? Ah, bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test.
Dites, je veux pas être indiscret, mais... Vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un courjus. Pas top. Je dois dévier ce circuit.
Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'NJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton retour. Qu'est-ce que c'est ? Désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino ? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Comment, me direz-vous ? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos avec une corne indestructible ! S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi il y était pas déjà ? J'ai rien.